Nous sommes en Turquie depuis plus d'une quinzaine de jours. Edirne et Istanbul ont été notre terrain de jeu. Déjà nous manquons d'air et nous voulons encore plus de découvertes. Nous décidons de prendre le ferry pour Bursa et 2 heures de traversée nous suffiront pour aller au-delà du Bosphore. Le ferry pour faire Istanbul-Bursa. Voilà, c'est plus rapide et surtout on n'a pas les embouteillages, on n'a pas à traverser Istanbul. L'entrée dans le ferry se fait en marche arrière. L'équipage nous guide au rythme des talkie-walkies et à grand renfort de gestes et d'indications plus ou moins claires, tout au bout trouve sa place. Tout au bout est fait pour aller de l'avant et tracer droit devant, pas pour reculer. Il nous le démontrera à maintes reprises lors de ce grand périple. Aller à reculons n'est pas dans sa nature. Certainement des vieux souvenirs de la Grèce, où une certaine marche arrière lui a valu 3 semaines d'immobilisation. Après une manœuvre au cordeau, nous le laissons au repos pour quelques heures. La liberté ignore les serrures du temps et de l'espace. Ce pays immense sera pendant plusieurs mois notre jardin. Le ferry n'a qu'à ouvrir ses portes afin d'ouvrir le rêve. Après 2 heures de traversée du Bosphore, nous arrivons à destination. Même si les indications gestuelles sont toujours aussi peu claires, tout au bout peut reprendre le sens de la marche avant, et la sortie du ferry se fait beaucoup plus simple. Une grande épopée nous attend, et elle nous mènera jusqu'au Kurdistan. En attendant, le soleil couchant de Bursa nous indique que cette journée fut longue. Après une bonne nuit de repos, la ville s'éveillera pour nous. Ici aussi, l'effigie de Mustafa Kemal nous observe. Mustafa Kemal Atatürk est le père fondateur et le premier président de la République de Turquie. Il occidentalise le pays à travers plusieurs réformes radicales. Il inscrit la laïcité dans la constitution, supprime l'islam en tant que religion officielle, donne le droit de vote aux femmes et remplace l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Nous entrons dans Kozahan, un caravansara bien connu à Bursa. Jadis, un caravansara, ou han en turc, était un lieu qui accueillait les caravanes de marchands, les voyageurs et les pèlerins au long cours qui faisaient halte pour se restaurer. Un tout autre lieu nous fait face et nous pénétrons dans Ulu Cami, ou la grande mosquée de Bursa. Ulu Cami a été l'une des mosquées les plus mémorables que nous avons observées. Quand on y rentre pour la toute première fois, un effet surprenant te traverse. L'intérieur spacieux et légèrement éclairé
crée un sentiment de paix, de sérénité et de contemplation. Impossible de rester indifférent quand ces trois sentiments se conjuguent. Les 192 panneaux muraux rédigés par les plus grands calligraphes ottomans de l'époque sont d'une rare précision, ce qui confère à Ulu Jami le plus grand exemple de style calligraphique arabe dans le monde. Nous allons passer un certain temps à contempler cet endroit incroyable. Et le temps est un luxe dont nous disposons. On profite de ce temps qui nous est accordé pour s'émerveiller du monde qui nous entoure. Et cela a permis à Tao d'y trouver quelques amis. Il est temps de reprendre la route pour un autre endroit irréel. Le temps de traverser les camps de réfugiés kurdes qui sont pour le coup eux bien réels, le temps de se faire arrêter par une police imaginaire, et le temps pour Joël d'utiliser son charme légendaire mais tout aussi imaginaire afin de nous éviter la prison ferme, nous continuons notre chemin pour arriver au lac Saldago. Saldagoul, ce lac nous a rendu fous d'ivresse, de liberté et de bonheur. Come on.
Il y a des endroits comme ça qui sont magiques, mais on a vraiment du mal à en partir. Mais on préfère continuer notre route vers l'inconnu. Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre. Enfin une averse. Depuis le début de notre périple, nous n'avions pas eu une seule goutte de pluie. Cela nous a permis de retrouver un semblant de fraîcheur. Sur la route, chacun son tour, Tao et moi replaçons les tortues égarées dans les hautes herbes pour éviter qu'elles ne soient écrasées. Nous nous dirigeons vers un endroit tout aussi humide, la grotte de Kaklik, près de Denizli. Un endroit assez étonnant, très peu visité, mais qui vaut vraiment le détour. La nature nous surprendra toujours. Elle a le don de créer, d'inventer et d'engendrer des procédés chimiques surprenants. Ce phénomène géologique peu commun provient des sources d'eau chaude saturées en sels minéraux et en gaz carbonique. En se libérant à l'air libre, le carbonate de calcium contenu dans l'eau se dépose le long des flancs de la roche, donnant cet aspect de cascade gelée. Il est temps pour nous d'imaginer un autre chemin. Le voyageur est atteint d'une maladie terrible qui est l'orgueil. Et il choisit mieux de se perdre que de demander son chemin. Nous espérons continuer à nous perdre encore longtemps pour encore trouver des endroits étonnants.